Bonjour à tous. Le but de cette vidéo en informatique est de parler des deux derniers thèmes dont on n'a pas parlé en classe et qui sont tous basés sur la même idée et qui est un point quand même assez important de l'informatique. Alors pas pour vous, pour les concours, c'est plutôt anecdotique, mais qui pour moi est un point très important de votre formation en informatique et dont j'aurais aimé faire les TP avec vous. Donc je pense que je mettrai les TP de l'année dernière en ligne si vous voulez les faire. C'est des TP un peu simples et pas très compliqués où c'est juste à mettre en avant des commandes et essayer de comprendre ce qu'elles font plutôt que d'essayer de faire des programmes comme on vous le demande plutôt en concours. Cette idée qui vous manque de l'informatique et des TP que vous n'auriez pas aimé, c'est ce que j'appelle, c'est un pan important de l'informatique, c'est savoir utiliser des outils déjà créés par quelqu'un d'autre. Si vous devez travailler en informatique à un moment, c'est le point essentiel. Vous programmez très très peu au final vous-même en informatique, ou alors des couches intermédiaires pour mettre en lien des choses, un peu comme ce que nous on fait quand on a déjà plusieurs fonctions à notre disposition et qu'on essaie d'en créer une autre. Par exemple, si vous avez déjà la fonction factorielle et la fonction binôme qui calcule les coefficients binomiaux, calculer les probabilités de la loi binomiale devient une surcouche de ces fonctions existantes. Et donc en Scilab, ici, c'est deux types de fonctions qu'on doit voir. Donc la fonction gérande qu'on connaît déjà, mais qu'on ne connaît que sous un seul aspect. Vous savez uniquement faire du gérande si par exemple je vous fais du gérande 2, 3, un, 7, 14. Vous devez savoir ce que ça fait, cette commande-là. Ça va vous créer une matrice de taille 2 x 3 qui va vous tirer des entiers au hasard entre 7 et 14. Donc voilà par exemple ce que ça fait. Donc ça vous connaissez, mais bien sûr s'il y a des options à gérande, notamment c'est quoi ces deux premiers facteurs, c'est pour la taille de la matrice, le troisième c'est pour dire qu'on tire des entiers de façon uniforme, on a sûrement d'autres paramètres, et là c'est les paramètres quels qui sont derrière. Donc ça, tous ces trucs là, sont des choses où on va vous rappeler à chaque fois en tête dans les sujets de concours ces fonctions-là. Vous n'avez pas à connaître ces fonctions par cœur, on vous rappellera les en-têtes, mais il faut savoir les utiliser. Et pour ça, le meilleur outil pour les utiliser, c'est tout simplement l'aide de Scilab, il n'y a pas mieux. Donc c'est ce que vous auriez dû faire en TP en classe, donc, et c'est ce que je vais vous apprendre un peu à manipuler. Donc le but, c'est juste d'aller chercher la fonction gérande, par exemple, et vous avez l'aide de la fonction gérande, et vous allez pouvoir voir qu'elle peut faire beaucoup de choses. Alors là, c'est ça qui est juste gérande, parce que j'ai mis gérande ici. Si maintenant j'enlève ça, comment je fais pour enlever le... Bon, j'arrive pas à enlever le gérande le gérande qui est sur l'ligne en bleu ici, mais c'est pas très très grave. Donc, comment appelle-t-on cette fonction? On voit qu'il y a une phase marquée... Donc là, on est dans l'aide. Il y a une phase qui est marquée séquence d'appel. Ensuite, vous avez une phase paramètre. Ensuite, une phase description. Ensuite, générer des nombres aléatoires selon une loi donnée. C'est plutôt des rappels mathématiques sur les lois. Action sur les générateurs de base. Action. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. En général, ce qui est bon de lire, c'est la partie... Alors, je scroll un peu vite, désolé. Mais c'est la partie... description qui va vous expliquer des choses. Alors, à coupler avec autre chose derrière, on va voir que la partie description va se coupler avec notamment les types de lois qu'il faut utiliser, qui sont décrites ici, dont on va parler, et en dessous de regarder un peu des exemples qui utilisent cette fonction-là. Par exemple, vous voyez ici, renvoie une matrice de taille 400 par 800 de double. De double, c'est le type, je vous en ai parlé, c'est le type de données, c'est pour dire que c'est des réels, des flottants, avec une distribution normale de moyenne 0 des quarts type 1, donc on fait un gérande de 400, 800, NOR, 0, 1. Donc, principalement, j'aurais aimé que vous fassiez un TP où vous deviez aller rechercher dans l'aide de cette fonction comment ça marche, notamment pour des choses comme cette ligne-là sur la loi exponentielle dont on va voir. Mais en gros, ce que fait ça, ce que fait notamment la partie générée des nombres aléatoires sur une loi donnée, c'est tout ce qu'on veut dire aujourd'hui et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir faire. Donc par exemple, si vous voulez simuler une loi binomiale avec la fonction gérande, vous tapez la commande y égale gérande nm bin np et ça génère des nombres aléatoires sur la loi binomiale de paramètres n et p, p d'un temps entre 0 et 1, nombre de succès au cours de n épreuves de Bernoulli de probabilité de succès p.
Et il y a d'autres fonctions associées qu'on peut avoir. Hein. CDF, juste à chaque fois, vous avez une fonction CDF dans chacun des cas, juste pour dire, c'est pour Cumulative Distribution Function. C'est la FDR, c'est la fonction de répartition en français. Donc dans tous les objets, vous avez une fonction CDF pour faire la fonction de répartition, hein, de la binomiale, d'autres choses s'il faut. Bref, donc là par exemple, si vous voulez gérer une binomiale avec Gérande, il vous l'explique, on met bin au milieu. Donc un sujet de concours qui voudrait vous faire générer une binomiale comme ça, vous direz tout simplement que la fonction Gérande, si on met Gérande 1, 1, bin au milieu entre parenthèses, par exemple si vous voulez tirer une binomiale 50 avec un paramètre 0,4, ben voilà, là vous tirez des nombres au hasard suivant une binomiale. Ça c'est un cas d'utilisation. On peut revenir dans l'aide, il y a d'autres lois qu'on connaît, donc la loi bêta, vous la connaissez pas, la loi binomiale négative, on en parlait en exercice, mais c'est pas une loi de référence pour nous. La loi gamma sera une loi de référence pour vous l'année prochaine. Je vais descendre un petit peu pour m'intéresser à la loi de Gauss-Laplace. Donc là, je vous avais dit que c'était un nom de la loi normale. Donc si on fait du gérande NM NOR AV SD, génère des nombres aléatoires sur la loi normale de moyenne AV et d'écart type SD. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lire l'aide, parce que les paramètres sont pas nommés pareil à chaque fois. Mais donc AV c'est la moyenne, SD c'est l'écart type. Attention, le paramètre de cette fonction c'est l'écart type. Donc par exemple, si vous voulez générer une variable aléatoire de paramètres, une loi normale N0,4 où sigma 2 serait 4, il faudrait faire du NOR, mais puisque c'est sigma 2 qui serait 4, l'écart type lui serait 2. Donc ceci, j'ai pas mis les mêmes guillemets des deux côtés, alors je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose, je vais en profiter. Ah, on voit plus vu que je suis en bas de l'écran. Là j'ai un problème, il faut que j'arrive à faire remonter mon écran à chaque fois. Donc pour ça, il faut que je tape ça. Donc vous voyez, à la première gérande que j'ai fait, j'ai pas mis les mêmes guillemets de chaque côté, ça a planté. Par contre, si je mets les mêmes guillemets, ça marche. Et si là, je retente un peu plus bas de mettre des guillemets doubles au lieu des guillemets simples, je mets des deux côtés ce coup-ci. Je vais remonter ça, ça marche aussi, il n'y a aucun souci. Là-dedans, on peut mettre n'importe quel type de guillemets. Mais voilà. Donc cette fonction gérande, on peut vous la donner par la loi normale. Donc attention, c'est le paramètre sigma qu'on met dedans. Et dernière subtilité pour les lois qu'on connaît, alors il y a encore d'autres lois, on va les voir, hein, on va revenir sur l'aide. On va parler vite fait de toutes nos lois, il n'y a pas trop de subtilité. Nous, on connaît la loi de Poisson. Donc ici, on a la ligne sur la loi de Poisson, paramètre mu générait une loi de Poisson de moyenne mu. Or, on sait que nous, la loi de Poisson dans le cours, elle est paramètre lambda, et que lambda, c'est sa moyenne. Donc, vous vous rendez compte, le paramètre, il ne vous parle pas de paramètre comme nous, on parle de paramètre pour une loi, mais vraiment, le paramètre de la fonction est lié à une propriété de la loi. Donc, notamment pour la loi de Poisson, c'est sa moyenne. Donc, ça génère des lois de Poisson comme on les connaît. Je vais remonter un peu. Normalement, j'ai dû sauter la loi... Il y a aussi la loi géométrique. Alors, elle est où? Elle est là, la loi géométrique. Donc on peut le faire en faisant du géome et de paramètre P, générer des nombres aléatoires suivant une loi géométrique de paramètre P. Alors le paramètre ici est un nombre d'épreuves de Bernoulli ayant un droit de succès P jusqu'à obtention d'un premier succès. Donc encore une fois, ils vous mettent les tolérances pour P pour que ce soit un entier. Enfin pour que ce soit un nombre entre 0 et 1, mais avec la précision machine, on ne peut pas aller en dessous de 10 puissance moins 307 apparemment, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Mais donc par exemple, pour générer une loi de paramètre P, une pièce qui aurait une chance sur 2 de faire pile, il suffirait de taper gérande. Je suis obligé de remonter après et de la taper d'abord. Si je veux faire une matrice par exemple 2, 5 pour faire 10 nombres, je mets géome et en paramètre je mets 0,25 si je veux pas une pièce équilibrée, excusez-moi, mais si je veux une pièce qui a une chance sur 4 de réussir. Et on voit tous les tirages de ma géométrie. Alors, une subtilité qu'on voit là de cette fonction gérande, c'est que notamment là, derrière la géométrique, alors pour exemple pour la normale juste avant, il y avait deux paramètres, pour la géométrique, il n'y en a qu'un. Pour l'uniforme qu'on avait l'habitude, le UIN qu'on avait l'habitude d'utiliser, il y avait deux paramètres. Là, pour la géométrique, il n'y en a qu'un. Pour la poisson, il n'y aura qu'un parce qu'il n'y a qu'un seul paramètre à la poisson. Alors on va encore en voir d'autres des lois, on va faire un petit tour avant de faire un résumé. Mince, j'ai pas cliqué sur ce qu'il faut. Si on va dans le navigateur d'aide,
Donc on peut voir que les autres lois, on a parlé de la loi de Poisson. Donc là, il vous parle de nous, ce qu'on connaissait, l'uniforme UN génère des anti-aléatoires suivant la loi uniforme qui va entre low et high. Low et high doivent être des entiers. Et en plus, l'écart ne doit pas être trop grand. Vous avez aussi ici l'uniforme UNF. Alors ça, c'est, vous en servirez pas mal l'année prochaine, notamment pour faire des mines, des max et ce genre de choses. Mais l'uniforme UNF génère des nombres aléatoires suivant une loi uniforme, donc une loi uniforme qui va de low à high en disant que high n'est jamais retourné, mais la probabilité de tirer n'importe quel nombre sur une loi uniforme continue, donc UNF c'est la loi uniforme continue, c'est zéro. Si je vous lance maintenant plein d'uniformes, on va en faire 1000, par exemple, hein, c'est pour en faire plein. Si je fais donc, est-ce que je peux remonter mes barres? Non, ça monte, mais ça affiche pas, ça reste en bas. Donc si je fais du gérande 1000 pour faire un vecteur UNF entre 0 et 1, pour tirer vraiment un nombre au hasard entre 0 et 1, voilà tout ce qui s'affiche. Vous pouvez voir qu'il n'y a jamais aucun 0 tout pile qui arrive. De toute façon, en Scilab, c'est impossible à cause de l'erreur du zéro machine. Mais même de toute façon, la probabilité de faire un nombre exactement celui qu'on veut est nulle pour une loi continue. Donc la commande gérande 1 1 UNF 01. Donc si je fais ça, si vous faites ça avec la fiche plutôt pour que vous voyez quelque chose, cette commande-là fait exactement la même chose que la commande que l'on avait déjà vue avant, qui est la commande rand, tout simplement. Alors, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce sont des nombres aléatoires, mais ça simule une loi uniforme sur 0. Du coup, on sert assez rarement de UNF, tout simplement parce qu'on peut utiliser rand. Par exemple, si on veut faire une uniforme sur l'intervalle 4, 7, bah, il suffit de faire du 4 plus 3 fois rand. Si vous faites ça, vous allez tirer un nombre entre 4 et 7. Tout simplement parce que ça commence à 4, donc vous ajoutez 4. Et pour l'intervalle 4, 7, la longueur de l'intervalle, c'est 3. Donc vous faites du 4 plus 4 fois. C'est pour ça que depuis le début de l'année, je vous dis de bien comprendre cette commande-là chaque fois qu'elle apparaît. Si vous faites justement du... Alors, on monte là-haut. Cette commande-là qu'on a vue plusieurs fois, là, du floor de 3 plus 7 fois rand, bah, 3 plus 7 fois rand, rand générant un nombre entre 0 et 1, 7 fois rand, ça génère un nombre entre 0 et 7. Donc 3 plus 7 fois rand, ça génère un nombre entre 3 et 10. Et comme on prend la partie entière, on va générer des nombres entre 3 et 9 ici. Parce qu'on ne peut pas atteindre 10 avec le 0 à 1. Donc voilà, là, on peut faire une fonction uniforme. Ça dure un peu longtemps, enfin je suis désolé, mais il aurait fallu que vous passiez par vous-même dans cette fonction d'aide, donc ça vous aurait pris un temps beaucoup plus grand que cette vidéo. Excusez-moi. La dernière loi est la plus importante avant qu'on attaque des exercices là-dessus, ce que je veux vous dire. C'est la loi exponentielle. Alors, parce que l'aide de Scilab, en plus, elle est méchante. Alors, souvent dans les compos, vous êtes bien. Mais la loi exponentielle, on vous dit qu'elle génère des nombres aléatoires suivant la loi exponentielle de moyenne AV. C'est-à-dire que le paramètre qu'on met là, c'est la moyenne de l'exponentielle. Or, si vous connaissez votre cours sur l'exponentielle, vous devez savoir que la moyenne de l'exponentielle, c'est du 1 sur lambda par rapport au paramètre. Donc, ça ne génère pas. Le paramètre de cette fonction n'est pas le même que celui de notre loi de cours. C'est celle, tout simplement, où il faut mettre la moyenne. Donc, si par exemple, une loi exponentielle de paramètre 2 nous aurait une moyenne de 1,5. Donc, si par exemple, je vous tire ici avec gérande un 1000 échantillons, je vais la stocker dans une variable, je vais taper ça, je vais appeler ce truc-là expon pour exponentielle. Donc par la loi exp de paramètres ici, je vais mettre un paramètre de 2. Voilà ce que ça génère. Alors j'ai pas mis la commande, je vais remonter pour trouver ma commande. Elle est là, ma commande. Donc je l'ai stockée dans un vecteur, c'est juste pour vous dire, vous voyez, j'ai généré 1000 éléments suivant la loi exponentielle. Vous pouvez voir les valeurs, ça monte à 3,8, à 4,19, etc., etc.
Donc si maintenant, vu que je l'ai stocké, je peux faire la somme de exponentielle divise de expon divisé par le nombre d'échantillons 1000. Donc, je vais vous remonter ça pour que vous le voyez. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en classe, c'est la loi faible d'Hétrogramme. Je fais la moyenne de mes échantillons et je divise par le nombre d'échantillons. Je devrais tomber normalement sur la valeur moyenne, sur l'espérance de ma variable. Et vous voyez bien que j'ai mis un paramètre 2 tout à l'heure et que j'obtiens une moyenne à 2. Or, si on fait une loi exponentielle, nous, avec notre paramètre lambda qu'on appelle 2, tout simplement, on aurait dû obtenir une moyenne de 1,5. Donc ça montre bien que ça ne fait pas exactement comme nous, on paramètre nos lois en ECS. Donc c'est une des contraintes, il faut savoir adapter les lois existantes dans les logiciels à partir de nos cours et de nos connaissances. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un malfou avec la loi exponentielle, parce que moi j'ai toujours appris que la loi exponentielle, son paramètre c'était sa moyenne, comme le fait cette fonction, et non pas comme votre cours de CS. Donc si je devais résumer juste une chose, la fonction gérande, elle s'appelle toujours de la même façon. La fonction gérande, on met un paramètre nm, on met une loi, et on met derrière, je vais mettre juste des paramètres avec un S entre guillemets comme ça. C'est toujours comme ça qu'elle s'appelle, cette fonction. Et ça renvoie une matrice toujours, n croix m, suivant la loi. Alors la loi, elle vous sera toujours précisée, vous saurez toujours ce que c'est, mais donc nous, on a vu, pour nos références, ce serait, on pourrait utiliser GEOM, on a toujours utilisé plein de fois UIN, on pourrait aussi utiliser UNF si on veut faire une uniforme continue, on va voir la loi EXP, la loi normale, on peut faire de la binomiale, on peut faire de la loi Poisson, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu comme loi. Bon, ça vous suivant la loi M, les paramètres variant avec la loi. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Les paramètres variant avec la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas les mêmes. Géom, c'est le paramètre P comme dans le cours, entre guillemets. La loi X, ce n'est pas le paramètre standard. En fait, ce qu'il faut lui mettre comme paramètre, nous, ce serait l'équivalent de 1 sur lambda, sa valeur moyenne. Parce que c'est ce qui est mis dans le sujet. La loi normale, c'est mu et sigma, et non pas sigma 2 qu'il faut donner. Donc ça, à chaque fois, ça vous sera rappelé dans les sujets de toute façon, mais je voulais vous montrer que il n'y a pas, quand vous attaquez un nouveau logiciel, et ça fait partie de vraiment maîtriser un logiciel en informatique, il faut aller dans l'aide pour comprendre comment marche la fonction. C'est pas forcément votre logique de cours, c'est la logique du logiciel. Bon, c'était un peu long pour vous expliquer ça. Quels exos on peut faire à partir de ça? Alors, les exercices qu'on peut faire avec ça, je vous en mets, c'est tiré donc du poly du chapitre 16, en fait sur l'identité, je vous en ai déjà mis, j'en ai dû en répondre déjà à des vidéos, donc je vais le refaire, c'est pour que vous compreniez que ce n'est vraiment pas les exercices les plus durs à ce sujet-là et qu'on vous rappelle tout à chaque fois. C'est ceux du chapitre 16, j'ai mis un du DS5 aussi, que j'avais laissé dans le DS5, et un qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas traité du coup, qui est le seul cas un peu dur qu'il y avait, mais en fait vous allez voir que la partie dure n'est absolument pas en rapport avec le thème de la fonction gérande, mais plutôt tout ce qu'il y a autour. Et encore, c'est pas les choses les plus dures qu'on ait faites. Donc voilà, par exemple, un premier exercice. Pas besoin d'avoir plus que ça. On vous définit une variable y, elle vaut x carré sur 2a. X carré étant x étant une variable avec une densité un peu bizarre. C'est un sujet qu'on a fait dans l'exercice 16, dans le chapitre 16, pardon. On dit, bon, ça je voulais juste laisser, c'est une question de maths uniquement pour vous dire le contexte. Donc y, c'est une loi exponentielle de paramètre 1. Donc le paramètre, c'est bien notre paramètre à nous. Et ici, il vous rappelle, comme à chaque fois, qu'en Scilab, la fonction gérande 1, 1, exp 1 sur lambda, si une variable aléatoire, si on doit, exponentielle de paramètre lambda, écrire un script Scilab demandant la valeur de A à l'utilisateur et permettant de simuler la variable x. Attention, c'est y qui suit la loi exponentielle 1 et on veut x.
Donc c'est pas très très dur, hein. Il faut juste faire déjà mathématiquement un petit jeu qui est comme quoi que x carré vaut 2ay, comme c'est une variable positive y, et que a aussi, je l'ai pas mis, mais c'est un paramètre positif, x ça vaut racine de 2ay, tout ce qui est là-dedans est positif, et x était une variable positive aussi. Enfin, il manque un peu de contexte, mais voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est a égale input, entrée a, on vous demande bien un script, hein. Une fois que vous avez A, vous créez, vous écrivez juste Y égale la ligne qui vous donne, gérande, 1, 1, X, comme c'est mis dans le sujet, et donc c'est là où il faut faire attention, c'est un paramètre 1, ici on va mettre 1 sur lambda, donc c'est du 1. Alors pour la loi de paramètre 1, ça peut être, mais si ça avait été une loi de paramètre 2, il aurait fallu mettre du 1,5 là-dedans. Et on finit bien par juste dire que X, ça fait juste du racine, alors il faut savoir que racine c'est SQRT, de 2 fois A fois Y, et vous avez fini. Donc voilà, pas vraiment la question la plus dure de tous les temps. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres questions du même genre. Si maintenant j'efface tout ça et que je passe à l'exercice suivant, donc je vais barrer la première ligne juste parce qu'il n'y a pas besoin de ce contexte-là. Donc on se disait à une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètres 1,5. On pose y, c'est racine de x. On rappelle que, pareil, que gérande 1 exponentielle à la loi simule une variable aléatoire réelle de paramètres lambda. Écrire une ou des commandes Scilab permettant de simuler y. Donc, c'est exactement la même chose. X suit une loi, alors justement, exponentielle de paramètres 1,5. Et on veut simuler y. Y, c'est racine de x. Donc là, c'est carrément direct. On peut carrément... Alors, on peut le faire en deux lignes quand même. X, on va dire que c'est du gérande de 1, 1, exp. Et attention, comme c'est une loi de paramètre 1,5, c'est là où la subtilité entre en jeu. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre depuis tout à l'heure. Il faut comprendre ça. Le paramètre qu'on veut mettre là, c'est 2. Et du coup, Y, c'est juste du SQRT de X. Alors, bien sûr, on aurait pu fusionner ces deux lignes-là en une seule et directement mettre que Y, c'était du SQRT de gérande 1, 1, X et 2. Il faut refermer bien sûr la racine. Voilà un deuxième exercice de fait sur ce genre de notion. Donc c'est vraiment pas des trucs très très durs. Continuons. Je vais devoir effacer une partie. C'était dans le même exercice, c'était la suite. Donc on parle toujours de la même variable y, donc x qui suit une loi exponentielle. Je vais le marquer là sur le côté. J'ai besoin d'un truc en plus. Excusez-moi. On pourra effacer après. Mais donc x suit une loi exponentielle de paramètre 1,5. Y c'est du racine de x. On n'a plus besoin du reste des infos derrière. Donc je peux effacer tout ce qui est ici. On vous rajoute ça derrière, y, on pose u qui vaut, la variable u qui vaut exponentielle 1 moins exponentielle moins x sur 2. On nous demande en deux questions de vérifier que u suit une loi uniforme sur 0, 1. Et voici la vraie question qui m'intéresse. Exprimer x en fonction de u, puis en déduire une simulation de la variable y utilisant uniquement la fonction rand. Donc c'est un peu ce que j'ai parlé sur la loi uniforme et la fonction rand tout à l'heure. Donc exprimer x en fonction de u, il suffit de dire que u moins 1 ça fait moins exponentielle moins x sur 2, donc exponentielle moins x sur 2 ça fait du 1 moins u, ce qui donne que du moins x sur 2 ça fait du ln de 1 moins u, ce qui fait que x c'est du moins 2 fois ln de 1 moins u. Et maintenant on peut clairement dire que juste pour simuler ça on va faire que x... Ah non, c'est pas x qu'on va simuler, excusez-moi, moi j'ai pas lu la question, c'est y. Alors c'est pour ça qu'on a besoin aussi que y soit du racine de x. Mais en fait, x ce serait juste du moins 2 fois ln de 1 moins rand. On sait que rand génère une loi uniforme sur 0, 1. Et on aurait derrière y égale sqrt de x, pardon. Bien sûr, refuser ça en une seule ligne. Mince, je vois que mon calcul ne passe pas sur le côté vu que j'ai trop zoomé. Si je réduis, non, ça va pas aider. Je vais le refaire là-haut, plutôt le calcul, excusez-moi. J'étais parti du fait que u moins 1, c'était égal à moins exponentielle moins x sur 2. Ce qui m'a donné que exponentielle moins x sur 2, c'était
du A moins U, pardon. Ce qui m'a donné que moins x sur 2, c'était du ln de 1 moins u, ce qui m'a donné que x, c'était du moins 2 ln de 1 moins Excusez-moi, c'était sur le côté. Ok, et donc on a ça. Alors juste une chose, c'est sur ce fameux 1 moins u. C'est un truc un peu bête, mais un peu logique. On va pas vous embêter, mais c'est pour faire de la belle informatique pour ma dernière ligne. Si u suit une loi uniforme sur 0, 1, quelle est la loi de la variable 1 moins u? Ben, 1 moins u suit aussi une variable uniforme sur la 0, 1. Donc ce qu'on aurait pu faire au mieux du mieux en une seule ligne, c'est de dire que y, c'était SQRT, pardon, SQRT de moins 2 fois ln de rang. Alors si vous avez fait ça, vous brillez de mille feux parce que vous avez fait en plus, vous avez ajouté le fait que 1 moins u était aussi une loi uniforme. Mais bon, pas besoin de briller, hein, c'était juste pour comprendre que voilà, c'est toujours la même chose. En fait, on va vous donner une loi de référence, une autre loi, une fonction entre les deux. Et est-ce que vous êtes capable de bidouiller vos fonctions et d'inverser un peu les relations pour savoir simuler à partir de ces fonctions-là? C'est toujours, toujours, toujours les mêmes exos. On fasse ça, on fasse ça. On continue. Voilà encore un autre exercice qui parle de ce genre de, genre de choses. Alors j'ai trop zoomé cette fonction-là, apparemment. Ça marche plus, très bien. Non, c'est parce que je suis là. Si je fais ça, que je fais. Hop. Voilà, là au moins ça ne déborde pas, excusez-moi. Donc ici on vous donne y, c'est ln de x. On vous dit déduire que y suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre. De mémoire, c'était elle suit une loi exponentielle de paramètre 1, c'est dans le DS5 ça. On rappelle qu'en Scilab, encore une fois, la commande gérante de loi exponentielle fait ça, écrire des commandes Scilab utilisant gérande et permettant de simuler x. C'est toujours la même chose, on aurait écrit y, ça aurait été du gérande de 1, 1, exp. Et pour faire du 1 sur lambda, si c'était une loi exponentielle paramètre 1, il suffisait de mettre du 1. Et ensuite, on aurait juste fait comme y c'est égal à ln x là-haut, on aurait juste dit que x c'est du exponentiel de y, et donc on aurait juste dit x égale exponentielle de y, et on aurait fini. Encore une fois, ce n'est pas une question très 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 dure. Voilà le genre de choses qu'on vous demande. Alors on va finir sur une dernière chose, et avec ça on aura vraiment fini. C'était la question la plus dure que j'ai vue sur ce genre de sujet. C'est celle-ci. Donc en fait, on considère deux variables x et y indépendantes. Ici, je suis en train de faire ici, pourquoi? Dans les physiques, pourtant. Je comprends pas, ça ne marche pas. Ah, parce que l'autre, il doit être au-dessus. Donc si je fais. Je passe en dessous. Voilà, on voit. Donc, x et y sont deux variables indépendantes qui suivent une loi de Poisson de paramètre lambda. On vous rappelle comment on simule une loi de Poisson de paramètre lambda. C'est comme ça. Et on vous dit, on veut trouver la probabilité que x soit égal à y et créer une fonction Scilab estime lambda qui, prenant lambda en entrée, renvoie une estimation de la probabilité de x égale 4. Alors, ça a à voir avec plein de choses. Mais c'est vrai que des choses qu'on a déjà vues. Ça a plus à voir avec la loi faible des grands nombres, encore une fois. C'est-à-dire que pour estimer cette probabilité, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va compter, on va le faire plein de fois, on va compter le nombre de fois où x va être égal à y, on va diviser par le grand nombre n total de fois de simulation qu'on va faire. Et ça va nous donner une approximation. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ce truc-là. Et donc, cette question-là n'est pas simple parce que c'est plus le reste qui est dur que ce truc-là. Donc, c'est savoir faire cette fonction d'estimation. Donc, on veut simuler quand est-ce que x est égal à y. Donc, c'est juste un test tout bête. Donc, qui va l'appeler R estime lambda. Donc, je vais tout effacer et on va l'écrire maintenant. Donc, je vais effacer ça et je vais mettre là. On va l'afficher. Donc, on va faire une function
R égale estime lambda. Bon, je vais le taper en toutes lettres. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette fonction? Bon, on va devoir déjà, on va fixer le nombre de succès pour le moment à 0. On va faire comme on fait une loi Fort des grands nombres, on va faire un grand nombre de boucles. Donc pour k égale 1 jusqu'à grand M. Alors il faudrait fixer grand N vu que c'est pas un paramètre d'entrée, donc je vais mettre, je sais pas, grand N égale à 10 000. J'aurais pu prendre une ligne de plus plutôt que de mettre sur la même ligne. Mais sinon, on peut hors de ligne, on peut mettre un grand N égale 10 000. Je vais faire une boucle for. À la fin de cette boucle for, je vais juste dire que R, bah, je vais compter à chaque fois que j'ai bon, je vais ajouter 1, je vais compter mon nombre de succès de x égale y, hein, tout simplement. Tout au long de ma boucle, je vais compter le nombre de succès, et à la fin, je vais faire R égale R sur N. Alors, c'est plutôt une barre en biais pour faire de l'informatique, et je mets fin à ma fonction. Alors, qu'est-ce que je dois faire à chaque fois dans ma boucle? Alors, j'ai plusieurs choses à faire, j'ai pas mal de lignes à écrire ici. Je vais simuler x. Donc x, ça suit une loi de Poisson. Donc on m'a expliqué comment on fait. C'est du gérand 1,1 poids lambda. Alors c'est bien poids, c'est pas poids ou un truc comme ça. Je vérifie juste 10 secondes. Je dis pas une bêtise, c'est bien poids. Lambda. On va faire y, c'est du gérand 1,1 poids lambda. À chaque boucle. On simule une variable x, une variable y. Et si les deux sont égaux, on doit ajouter, compter qu'on a fait un succès. Donc on va bien sûr faire un if x, attention pour faire un test, égal égal y. Dans ce cas-là, r égale r plus 1. Et end. Enfin, on peut mettre un zen, mais c'est pas obligatoire. On met fin au if, et maintenant on met fin au end de la boucle for. Un petit peu débordé, j'ai pas prévu la place, mais c'est parce que j'ai un peu zoomé fort mon écran aujourd'hui. Et donc voilà, cette question était très dure, non pas par l'appel de la fonction Poisson, mais parce qu'encore une fois, c'était encore un cas de loi faible des grands nombres. Vous la reverrez beaucoup de fois l'année prochaine, la loi faible des grands nombres, ne vous en faites pas. Mais encore une fois, c'est ça qui rend les choses complexes, et non pas, il n'y a pas besoin de stocker de vecteurs ici, c'est pas le reste. Donc voilà pour cette fonction gérande, tout ce qu'on peut faire avec, il n'y a rien de très très méchant avec ça.